terrible. Il est où le casting? Il est là le casting? Parce que je cherche le casting des sosies de célébrités. Je suis un sosie de Pamela Anderson. On a reconnu la bouée. J'ai reçu l'invitation parce qu'il y avait un casting ici au musée de la cire. Alors moi, parce que la brune, c'est de l'entretien. Hein. Alors je suis allé chez la dame tire-poil. J'ai fait les aisselles, le maillot. Vous me croyez sur parole, hein. Et les demi-jambes, comme ils disent. Et alors, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'ils font des statues en cire. Alors, je suis venu pour le casting des célébrités, enfin les sosies, quoi. Et alors, vous savez pas où c'est? Non. Non. Je vais rentrer sur Marseille, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'était pas grave, moi je reviendrai l'année prochaine pour l'autre casting. Et alors, à la prochaine fois, hein. Au revoir, hein. Allez, à bientôt. Il y a bien longtemps, dans un étrange musée, une jeune déesse qui décidait d'enfermer ce qu'elle... Non mais écoutez-le, on dirait qu'il va nous raconter de ses tragédies grecques. Relax mon cœur, je prends les choses en main. Je suis l'une des trois muses, servante de la grande Shiva. Laissez-moi vous raconter sa légende. Allez, allons-y. Il y a bien longtemps, la déesse Shiva lança un sort sur une relique qui enferme toutes les vertus des femmes les plus convoitées. Celui ou celle qui la trouvera libérera le pouvoir des femmes célèbres et devra passer des épreuves dans un show où s'exécuteront danse, chant et bien d'autres choses. Si la personne accomplit cette mission, alors elle recevra toutes les forces de ces femmes. En ce 8 mars 2014, la relique se trouve dans un musée quelque part sur notre terre. Personne n'a encore frotté cette relique. Personne, jusqu'à ce soir. Ouh. Allez, plus que la salle, Edith Piaf, et après les gars, c'est fini. Ouais, puis on pourra retourner prendre l'apéro. Oh là là là. Eh les gars, ça serait pas ça la relique que qui parlait le monsieur du musée, là? Ouais. Ouais, il paraîtrait en plus que quand elle brille un petit peu, bah, y a un truc dedans là avec une malédiction et je sais pas quoi. Mais toi, tu crois toujours tout ce qu'on te dit aussi. Astique-là et tu verras bien. Bah ouais, mais elle mérite pas trop là quand même, hein. Oh les dieux, moi, Shiva, je renais enfin de mes cendres. C'est quoi ce bordel? Y'a plein de bras là. C'est marrant. Messieurs, je ne vous ai pas encore expliqué ma présence parmi vous. Alors voilà, il y a des centaines d'années,
J'ai enfermé dans cette relique toutes les plus belles des vertus. Et ceux qui frottent cette relique peuvent recevoir ces vertus par mon consentement et la réussite de quelques épreuves. Et comme vous êtes les premiers, vous allez ouvrir le bal. Oh, on n'est pas prêts pour des épreuves, nous, hein. Et grâce à mon omniscience divine, je peux savoir quelle vertu manque à chacun d'entre nous. Voyons, voyons. Non, mais elle a fait un boulot ou quoi? Shiva nous aurait-elle oublié? Non, mais alors quoi? Shiva qui oublie ses muses le jour où enfin la relique se brise? Non, mais alors quoi? Nous avons dit en Shiva, tu nous reconnais pas enfin? Ouh, c'est nous! Nous sommes les trois muses, déesse des arts et proclamatrice des vertus féminines! Mes chères muses, où avais-je la tête? Shiva? Moi, Shiva bien? Shiva mine? Oh. Messieurs, mes muses vous guideront pendant vos épreuves. Allez, allez, ne perdons pas de temps. Commençons tout de suite en faisant appel à notre môme préférée, celle qui représente la combativité positive. Et pour cette épreuve, nous choisissons ce garçon qui semble manquer de combativité. Allez, filez-nous. Mais je n'ai rien demandé, moi. Allez, ça va, c'est ça, j'ai envie d'aller. Allez. Combativité, combativité, combativité. Là, c'est plutôt propreté, hein. Toujours avant moi, et
suis d'accord. Par mon grand pouvoir, je te remets la vertu de la combativité positive. Il a gagné! Il a gagné! Il dit! Allez, dites, je te refiche pour le moment. Je reviendrai te chercher plus tard pour l'épreuve finale. Messieurs, passons maintenant à la deuxième épreuve avec notre redoutable Cléopâtre. L'épreuve de la tentation, de la révélation, du pouvoir et de la libération. Attention à ne pas rester le profil. L'épreuve de la tentation sera pour toi, mon mignon. Allez, suis-nous. La maison à cours. Allez, vas-y. Ouais, t'inquiète, je gère. Il me rappelle mon cher César.
Je lui donne cette vertu pour plus de liberté et d'excentricité. Je te remets cette vertu bien méritée. Bravo, il a réussi ! Cléo, je te renvoie en Égypte. On se retrouve tout à l'heure pour l'épreuve finale. Bravo. Au revoir, mon mignon. Voici mon papyrus. Messieurs, jamais deux sans trois. Trois comme le trio des muses que nous formons. Trois comme les trois petits chats, les trois petits cochons. Trois comme les trois mousquetaires, les trois frères. Comme le cheval de Troie. Point, 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 point. Prêt dans la hiverne. Messieurs, cette épreuve sera l'épreuve de l'omniscience divine. Et cette épreuve, vous la ferez avec moi. Moi, Shiva. Et comme on a tous besoin de divinité en nous, vous serez nos trois chers frères. Thank you.
Lara Croft. Et courageux. Et fort. On l'a déjà dit. L'épreuve du courage et de la bravoure sera pour toi, garçon. Allez, suis-nous. Allez, sors tes muscles. Pour deux minutes, t'as lâché le bras. Thank you.
Bon, je te remets cette vertu. Tu seras désormais un homme vaillant et courageux. Ça va pas, non, moi je vais me battre encore, c'est moi qui gagne ici, ok? Je t'aurai un jour, je t'aurai! Mes chères muses, c'est déjà l'heure de la dernière épreuve. Oh non! Oh ouais! Et pour cette dernière épreuve, sans doute la plus redoutable, il vous faudra vous unir et danser. Elle représente la perfection, l'autonomie, comme moi. Elle est belle et elle danse comme une déesse, comme moi. Nous avons tant en commun. Elle est à froid et laquelle? Comme moi. Non, comme moi. Elle a à peine 30 ans. Que toutes nos femmes reviennent pour danser avec Beyoncé. Oh ouais.